Séverine, fleuriste à La Salle-les-Châteaux. C'est pas le métier que j'ai toujours souhaité exercer. On va dire à la fin de la troisième, j'étais un peu perdue. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais être chanteuse, comme la plupart des jeunes en général en troisième. Et finalement, comme pour moi, le parcours scolaire, c'était pas du tout ma tasse de thé. Je voulais pas aller au lycée pour continuer. Je voulais vraiment être actif. Et j'ai cherché dans plein de métiers. J'ai fait plein d'essais pendant 2 mois et demi presque. Et j'ai trouvé fleuriste. Ça m'est tombé dessus, on va dire, 3 jours avant de commencer le lycée. Je suis partie en apprentissage, en alternance, un fleuriste en Normandie. Donc j'ai été à l'école en Normandie pour faire un CAP. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de plus pour faire un BP fleuriste. Moi, j'avais un maître d'apprentissage en Normandie, à Villedieu-les-Poêles. Donc forcément, mon école était à Caen, parce que c'était l'école de Caen. Après, mon apprenti qui est à La Salle-les-Châteaux, son école, c'est à Angers ou Le Mans. Là, elle a le choix entre deux écoles dans la région. Donc, c'est vraiment en fonction du maître d'apprentissage. Si vous trouvez un maître d'apprentissage en Bretagne, vous allez devoir aller à l'école à Rennes. Oui, parce qu'en Mayenne, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école de fleuriste en Mayenne. Il y a très, très peu d'écoles. C'est sur Angers, sur Le Mans, sur Caen, sur Rennes. Les avantages, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On est toujours à faire des choses différentes, à créer. Et l'inconvénient, c'est que malheureusement, on travaille tous les jours. Donc, quand les autres s'amusent, nous, on travaille. Donc, c'est-à-dire à Noël, on travaille. Au jour de l'an, on travaille. On travaille tous les jours, quoi. Il faut être motivé, il faut être souriant et physiquement être en forme. Parce qu'on est tout le temps debout, on piétine. Quand il y a du travail, on est toujours à courir à droite à gauche. On est tellement multitâche qu'il faut vraiment avoir des bras et un bon dos. Si on est arrive à créer des choses, si on arrive à imaginer des choses et à se démarquer des autres, oui, c'est un métier qui est très épanouissant et florissant. Ma vie, c'est que ça, c'est pas des choix, c'est toujours des opportunités qui me sont tombées dessus ou des petits malheurs. J'ai toujours pris le négatif pour ressortir le positif, c'est que j'étais chez une patronne avec qui je m'entendais super bien et je travaillais pas les week-ends. Elle me faisait pas travailler ni le samedi ni le dimanche parce que j'avais une activité parallèle, fameuse chanteuse, parce que j'ai réussi quand même à faire ça aussi comme métier. Et donc je ne travaillais pas les week-ends, sauf qu'il y a eu des gros travaux dans la ville et j'ai dû avoir un licenciement économique. Donc licenciement économique, d'y se retrouver sans travail. J'aurais pu trouver une autre patronne, sauf que ma patronne pour moi était tellement géniale que je me suis dit, je sais que je vais pas trouver quelqu'un qui va être à son niveau, donc je préfère me lancer moi à mon compte. Alors moi je suis entrepreneur indépendant, enfin entreprise individuelle, donc c'est commerçant artisan. Mais c'est en entreprise individuelle, c'est pas une société, c'est vraiment indépendant. Oui, j'ai une salariée et j'ai une apprentie. Nous, c'est une ambiance très familiale. Après, il y a des magasins où l'ambiance est plus stricte, où les personnes ne doivent pas parler. Moi, j'ai toujours travaillé dans une ambiance très, très familiale. Les filles avec qui je travaille, c'est souvent des filles par contre avec qui je bosse. Elles ont entièrement ma confiance, mais il faut juste qu'elles la gardent. Si elles la gardent, on reste dans l'ambiance familiale.